Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Repas Universalis 4 avec le Signe Noir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et on reprend la marche contre l'Espagne, la énième marche contre l'Espagne. Oh, fais pas comme si t'étais blasé, t'adores marcher sur l'Espagne. Oui, j'adore. Il y a plus de résistance, hein, faut dire aussi ce qu'il y a là, pour le coup. Ah, dans les colonies, il y a du monde encore. Hein. Bon, ah, on oui, commence oui, à être oui, un oui, petit oui, peu oui, dépassé, oui. Mais il y a du monde. Et là, oui, ils ont quand même, ils ont à nombre de troupes égales, ils ont réussi à me battre une armée quand même. Hein. Ah oui, pas mal. Donc ils ont encore du répondant. Allez, ici on va essayer de choper ces 40 000. Je sais pas si on peut gagner. Hein. Il y a des chances. Ça dépendra de ses compétences. Allez, viens m'aider. Tu seras bien gentil. Il faut que les Amazones tiennent là. Bon ben voilà. Je crois que tu as coulé les derniers bateaux européens de l'Espagne. Je crois qu'il lui reste plus grand chose même dans les colonies. Hein. Il reste quelques trucs à ses colonies. Ah. Ah bah non, il lui reste zéro vaisseau. Il a plus aucun bateau. C'est terminé. On a eu un rapprochement avec la Normandie qui nous aime de plus 30 et on a coulé le vaisseau amiral du Brésil Castillan. Et bah voilà. Bravo. Le Brésil Castillan, il lui reste une flotte qui s'est repliée là, on va la faire ressortir tout de suite. Donc là on a le Gladiatora dans cette flotte et dans l'autre flotte on a deux vaisseaux amiraux du coup. L'un de l'Espagne et... Ah non, un seul. On a le vaisseau amiral de l'Espagne, vaisseau lourd de base. Vaisseau à deux ponts tout pourri, qu'il va falloir qu'on améliore du coup. Ouais, bah y a plus besoin de mes flottes, je vais les rapatrier là-bas histoire d'avoir un vrai port pour pouvoir me faire jouer la réparation. On a encore trop de points, c'est un truc de fou. Un truc sympa à améliorer. Kildare, c'est du blé, on s'en fout, ça c'est du poison. Kent, c'est du tissu. Allez Kent, tu es à 30. Est-ce que du coup ça ne débloquerait pas quelques manufactures? Bah voilà, une manufacture à 0,85 à Kent. Que demander de plus? Ici on va pas le poursuivre parce qu'on va faire sortir le bateau. Le Vijayanagara, on va entacher sa réputation complètement gratuitement. Et il faudrait que je gère maintenant le centre de la... Le centre de l'Afrique là, où il y a du monde. Oup là, on se détend un peu. Il y a 80 000 hommes, mine de rien. Remarque, on est 100 000. Hein. Oh putain, les rebelles qui popent sous mes pieds. Oui, il y a quand même effectivement 80 000 hommes en bas là. Non putain, c'est on prend tellement d'attrition, on prend 4 d'attrition. Non, faut y aller, on prend plus d'attrition que si on les combattait quoi. Putain, ils font mal. Oh, sans déconner, ils m'ont défoncé. Stop! Non, la pop-up qui pop au moment où je clique sur retour. Oh là là, ça fait mal. Tu t'es fait stackwipe en plus? Ouais, c'était une armée de mercenaires. Ah. Celle-là va peut-être se faire stackwipe aussi, on va voir. Non, on s'est pas fait stack wipe, mais ça fait deux défaites quand même sur le territoire là. Ah oui. Va falloir faire quelque chose. Ah, on peut prendre une nouvelle doctrine, efficacité administrative, on prend. C'est pas que je voulais pas venir t'aider, mais c'est tellement galère de descendre jusqu'en bas. Ouais ouais, non mais je suis un peu déçu par les mercenaires, hein, faut dire ce qui est, hein, donc on va reprendre. Oui, c'est sûr. Alors, on peut prendre quoi? Encore des Amazones, une société Azafo, mais elle vient de se faire défoncer, la Compagnie du Sahel. Compagnie du Sahel. Après, elles sont très déséquilibrées, hein, y a pas du tout de cave et tout, forcément. J'aurais dû attendre les renforts, j'aurais sûrement fait beaucoup plus mal. Mais... permis d'ignorer, aspiration à la liberté des dépendants sur le continent. On va prendre la marche forcée qui coûte rien, non, on va prendre le... Ignorer l'existence de légitimation plutôt. Toi, pendant que tu te refais, tu vas aller par là-bas. On peut prendre les techs à 55%.
Ici, ça se passe comment? On va dessiéger 2-3 conneries. Ils en sont où, Terra Papillote et compagnie, là? Ils ont rasé le pays ou pas? Ouais, ça va, allez, ça va. Je leur accorde ça, ils ont fait le taf. Plus que moi en Afrique, en tout cas. Bon, là, faut qu'on monte nos... notre morale, parce que sinon ça sert à rien. Par contre, j'avoue que je suis un peu surpris par la qualité des armées espagnoles. Hein. Ennemi, Espagne, 114 de discipline, ils ont moins de morale, moins de discipline que nous. À quel moment ils nous défoncent? Moins de professionnalisme? Pourquoi ils nous défoncent comme ça? Ils ont deux fois moins de tradition? C'est pas possible. Comment ça se fait? Je proteste énergiquement. Ah, encore un retard. Bah, pour la peine, on va prendre du mercantilisme. Allez, on va pas prendre de risque, on va se pointer. Là, il a vu qu'on commençait à grossir. On va essayer de choper cette armée-là. 15 000, ça fera déjà 15 000 de moins. Toi, tu vas descendre par ici. Hop. Jusque-là. Non, jusque-là. Allez, on va essayer de choper ces hommes-là. On n'est pas full moral, mais quand même, à 60 000 contre 15 000, il y a peut-être moyen. Voilà, quand même. Ouais, c'est pas facile quand même, hein. Bon, faut dire qu'on fait des vieux 1. Ah, Damnel est à la traîne. Ah bon? Ouais, pourtant, ça a été réduit à 1 de vitesse. Bon, je vais quand même remettre à 2 parce que... On a la fibre, faut peut-être pas déconner quand même, les gars. Ah, mais non, mais tu sais, hein, c'est très surfait la fibre aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Les serveurs de Paradox qui sont un peu surfaits aussi. Ah mais tu comprends, une telle autant de FPS que ce jeu. Pas faux. Ordonnance non appliquée. Ils vont devoir se plier aux ordres. Bah bien sûr qu'ils vont se plier aux ordres, non mais sans déconner. Ici, ils vont où ils avancent vers Diamanto. Trop d'alliance de la part de Ratisbonne. Pardon. Non mais. Nous avons perdu le siège de Cusco. Ah, c'était un truc là-bas. Ok. C'est cela, oui. Prenez-moi des sièges, les gens là, que des forteresses, que je puisse demander des trucs. Oh là là, qu'est-ce qu'on se traîne dans ce pays. Allez, ceux-là on les chope. Bon, les Amazones, elles ont mis un petit peu de temps à s'énerver, mais ça y est, là, elles sont réveillées, je crois. Voilà, on a pris ce fort. Ah, encore à la traîne, bah dis donc. Ce qui fait qu'il est coincé maintenant, l'espagnol. Ouais, je comprends pas là, ce. Ah merde, il y a 33 000 hommes qui arrivent derrière. Et normalement, il est coincé là, me dis pas qu'il va passer. T'es pas sérieux? Non, il passe pas, on est d'accord. Bordel, j'ai eu peur quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ça va bien les bugs à la con. Là. Et là, on va tomber sur ces 24 000 hommes isolés là. Déjà, ça va lui faire plaisir. Après, on ira chercher les 35 000 hommes isolés. On a perdu un siège, c'est pas grave. On y va. Hop. L'attrition qu'on prend dans ce coin, il a des doctrines défensives. Attends, je regarde, c'est pas possible quoi. Il peut pas me faire aussi mal. Il a quoi comme doctrine? C'est où les doctrines? Ah ouais, les doctrines défensives, c'est pour ça qu'on prend aussi cher quoi. 4% d'attrition quand on est sur ces territoires. C'est la violence. Ouais, c'est chaud. Allez, on va stack web ces 35 000 hommes et après on en parlera plus, je pense. Oh là là, mais c'est l'enfer aussi la connexion. Hein. Je peux même plus. Tu dois rattraper la partie quoi, je peux même pas augmenter la vitesse. On a perdu ton booktou, on va tomber dessus. Tu m'entends, Damnet? T'as vraiment coupé peut-être? Oui. Non, attends, non. Je t'entends. Ah, notre âge d'or vient de prendre fin. Je peux même pas repasser en vitesse 2. Hein.
Non mais Sans sérieux, déconner, bah, les je crois 30 pas. 000 hommes qui arrivent à mettre des tatanes à mes 60 000 mercenaires, enfin, c'est quoi le délire là? Alors déjà on était meilleurs qu'eux avant avec grâce à notre âge d'or, on était censé les défoncer, on les défonçait pas, maintenant qu'on a plus l'âge d'or, on se fait piétiner à 3 contre 1 quoi. C'est n'importe quoi. La vache. Ah et du coup ils ont repris le siège, donc on l'a dans le fion. Allez, on va choper les 3000 hommes qui sont là. Alors là-bas, ça se passe comment? Ça se passe que on va foncer sur ça pour faire le siège, ça sera fait. Ici, on a pris ça. Ah ouais, non mais carrément, vitesse 0, ça s'est mis en pause tout seul. Je comprends pas. T'es en quelle date là? Voir c'est le PC qui est à la traîne hein. Ah mais ouais, je suis au mois d'avril mec. Ah ouais, là t'es au 5 mai, 13 mai, 27, 28, ça y est t'as rattrapé. Et on est repassé en vitesse 1. Je comprends pas. Ok. Et ben on va surveiller ça. Soit c'est mon PC qui arrive plus à suivre, mon PC portable qui arrive plus à suivre les données du jeu plutôt. À la limite. Ouais. Je préfère ça à la connexion, hein, parce que la connexion je vois pas, je comprends pas. Ouais, la connexion c'est complètement con, je suis d'accord. Ça n'a pas vraiment de sens, faut dire ce qui est. Bah écoute, je vais enlever la pause, on va tenter la vitesse 2 pour voir. Voilà, ça va, hein. Jusqu'à ce que ça aille plus. Il se replie jusqu'où là-bas? Ah, il se replie là-bas. On va essayer de le choper. Si on est capable de tuer, peut-être. On va s'arrêter ici. On va passer en marche forcée. Et on va essayer d'aller le rattraper avant qu'il reprenne trop de morale. L'Espagne a refait un bateau, attention! Merde. Il a encore des provinces navales? 15 en fait, merde. Oh là là. Arrête-toi. Il s'est lâché. Oh, mais. Oh, bordel. Attends. Truc qui mislead partout là, j'ai cliqué sur ça et je veux que tu ailles me choper ce con avant qu'il reprenne du moral. Quand même. Et ici je devais embarquer avec mon militaire 3 qui au final sert pas à grand chose pour ensuite débarquer. C'est parti, on va faire ça vite fait. Ouais, le jeu commence voilà. À avoir du mal à faire des traitements, je pense en fait. Ouais, c'est possible hein. Presque je bascule sur ma tour pour enregistrer la fin de la série. trop de trucs à gérer pour le PC portable. Je pense que c'est ça. On va les rater, ils ont repris leur morale en plus, c'est n'importe quoi. Allez, en avant, on va lui prendre un sandwich. Il va où? À Wokzang, il va ici. De toute façon, il peut pas aller vraiment. Bon, chose ailleurs. Ensuite, il remonte par où? Il va à Rikanda, c'est où ça? C'est là. Go! Chopez-les-moi! Ah, mais. Je me disais, on peut devenir défenseur de la foi, mais oui, non, mais il y a déjà un défenseur de la foi, c'est toi. J'en profitais pour poser un mec à convertir ici. Si tu veux, tu peux. Prendre le rôle de défenseur de la foi? Oui, oui. T'as besoin plus de le reprendre? Ah non, c'est fini, j'en ai plus besoin, moi. Bah écoute, je vais le prendre. Ça me fera un mec de plus pour. Aider les colonies à gérer la conversion de tout ce qui est catholique. J'ai complètement oublié de te le dire, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai fini. Bon, c'est histoire de dire, hein, parce que réellement, ça n'a pas trop d'impact. Oui, non, on le sait. Mais bon. Bon, là, l'objectif déjà, c'est quoi ça? Des fanatiques fétichistes espagnols. Tout un programme. Est-ce que vous avez moyen de le rattraper? Ah, il y a 23 000 hommes qui arrivent. Ah non, c'est les mêmes. Ils font demi-tour. Bah, faites demi-tour, les gars. Très bonne idée. On va mettre pause parce que c'est un peu le bordel là.
Du charbon ici. Allez hop, bam bam, bam bam, voilà, c'est cadeau. Il va où? À Lipago, il va ici. C'est pas là qu'il va? T'es sérieux? On va pas réussir à l'attraper? C'est une blague? Arrête-toi, marche forcée. Qu'est-ce que c'est que cette... Non mais... Je rêve. Ah bah si, on l'a eu quand même. Et en plus il nous défonce, ça avait bien le coup. Oh là là, mais les mercenaires quoi. 20 000 espagnols qui arrivent à mettre en défaut 60 000 hommes quoi. C'est une blague. Mais il y a des bateaux. Là il y a 9 bateaux. Catastrophe. Ça y est, il est stack wipe, il est pas stack wipe. Vous, allez jusque là-bas. Vous, virez-moi cette marche forcée. Allez jusque là. Les bateaux. Où est-ce qu'ils sont partis? Merde, j'ai pas regardé où ils sont partis. Ils ont pas été dans la flotte là, non? Ah mais on voit l'intégralité des océans, comment ils ont pu se planquer. C'est n'importe quoi. Ici il y a du rouge aussi. Ah ouais, il est en train de faire des bateaux dans les petites provinces à la con là, les petites îles à la con. Ouais bah ça va, on est qu'à 78% quand même hein, c'est un truc de fou hein. Ah là, en général 3 étoiles, il va peut-être un peu moins déconner là. 5 de manœuvre, le mec il est irrattrapable quoi. Tombouctou, ça tombera pas, t'es gentil. On a bien Madrid. Pas été repris par une connerie, ouais. Est-ce que tu voudras des terres, dis-moi, commence à faire ton marché. Oh, faut que tu revoies, mais c'est pas obligatoire. Hein. Ça y est, oula. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de notifs. Ah, c'est les trèfles qui ont expiré. Ok, les trèfles qui ont expiré, parfait. On va aller dessiéger des trucs. Refaire un peu de score de guerre. Comment ça se fait qu'on a aussi peu de score de guerre, sérieux? Ayutthaya, tu voudrais pas te barrer? Non, hein, tu voudrais pas. En même temps, t'es tranquille, hein, t'as rien fait. Là, on a perdu une bataille navale, mais c'était il y a longtemps, ça. On peut encore accroître le score de 5% en remplissant l'objectif de guerre. Bah, on sera à 86. Ouais, la Yutaya fait 6%. Ouais, bah faut qu'on dessiège des petites conneries à droite à gauche. Ok, d'accord, on va faire ça. Hop, prendre quelques forts. C'est la capitale ça ou pas? C'est la capitale politique du Pérou espagnol. On va aller la prendre. Et toi t'es qui là-dessous? Les 119 colonies. Occupe-toi de ça les 119 colonies. Je m'occupe de l'autre. Ah c'est ça, il a foutu ses flottes dans les petites îles qui traînent à droite à gauche quoi. C'est ce qu'on appelle un relou. Hein? Le mec qui ouais. Met ses péons dans Warcraft à l'autre bout de la map. Ça existe. Faut dire ce qui est. Pour la peine, on va les défoncer avec ton propre vaisseau amiral. Ah la merde, la vitesse qui est encore ralentie. Non mais mec, je t'ai dit de faire demi-tour. Bon bah si tu veux aller là, ok, vas-y, je fais l'autre. Allez, occupe-toi de ça, 119 colonies, c'est parti. Ah, ça y est, la trêve avec Mayence se termine aussi.
Je repasse en vitesse 2, on tente. Vas-y, vas-y. Bon, là, ils sont en train de tout dessiéger en même temps. Ah, là, il y a 45 000 hommes ici. 25 000 hommes, pardon. On va leur tomber dessus comme des gros sacs. Famine en Taïwan, ah mince. Ah merde, il y a 23 000 hommes derrière. Ouh, ça va peut-être être la violence là. Donc, moins 2 de terrain. Allez, les Amazones. Ouais, non, là vous allez vous faire défoncer. Ils ont encore du level, les cons. Et puis c'est tellement long de se balader sur ce foutu territoire là. C'est un truc de dingue. Ah merde, du retard de nouveau. T'es en mars? Sérieux? Ouais, mais je pige pas, franchement. Là, je suis en avril, là, pourtant. Non, 14 avril. Ah oui, avril, putain, qu'est-ce c'est avril, excuse-moi. Mais je suis en juin, moi. Ouais, non, mais là, je sais pas ce qui se passe, effectivement. J'ai même pas fait gaffe que ça avait... Ah bah oui, j'ai les batailles qui sont arrêtées. Je comprends pas trop pourquoi. Ouais, puis tu rattrapes pas, t'es bloqué sur le 14 avril. À moins que ce soit avril qui est maudit, je sais pas. Je sais pas. C'est n'importe quoi, je suis assez d'accord avec toi, honnêtement. Bah ouais, puis là... qu'est-ce qu'on peut faire? On va terminer l'épisode comme ça, quoi, mais... Bah oui. Au pire, on essaiera avec ta tour la prochaine session, si c'est possible. Oui, je pense qu'on fera ça. Parce que là, ouais, non, il bouge plus. Ah ouais, je me disais, il va rattraper, mais non, il bouge plus du tout, quoi. Non. Et je peux pas du tout enlever la pause. Ces joueurs doivent rattraper le cours de la partie avant que vous puissiez quitter la pause. Cool. Parfait, fantastique. Génial. Bah, on va arrêter l'épisode là, du coup, de toute façon, s'il est freeze. Hein. Ah, bah là, oui, clairement. C'est court, mais bon, bah tant pis, hein, je n'ai désolé, ça fait partie. Voilà, c'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. C'est ça. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Ça se passe tranquillement hein, maintenant, les guerres, on va pas dire le contraire. On se retrouve du coup très vite pour un nouvel épisode. Et merci à toutes et à tous. Si tout le monde. Et d'ailleurs, c'était à toi de faire l'outro, je l'ai piqué, excuse-moi. C'est pas grave, y a pas de mal, on peut perturber.